L'haltérophilie en e-sport, c'est une discipline de force. Ça consiste principalement à du développé couché. Donc les athlètes décrochent la barre, ils la tiennent bras tendus, ils viennent la poser contre la poitrine et ils doivent la soulever et finir pareil, bras tendus. Aujourd'hui, nous sommes là donc, pour le championnat de France d'haltérophilie en e-sport. C'est une compétition qui est aussi reconnue au niveau international. Ce qui me plaît, c'est le dépassement de soi. Tu peux être pseudo différent et montrer que tu peux quand même être fort. Il faut être fort physiquement, mentalement, parce que ça se joue effectivement. On peut croire que ça se joue sur le mouvement lui-même, mais ça se joue dans la préparation. La préparation, c'est pas une préparation que tu dois prendre à la légère. 6, 7, 8, stop. Bien, mec. Monte. L'haltérophilie en e-sport est une des rares disciplines en e-sport où il n'y a pas de catégorie de handicap. Ce sont que des catégories de poids de corps, comme chez les valides. C'est surtout au départ un but rééducatif que ça va être utilisé. Et puis, au fur et à mesure, il y en a qui vont y prendre plaisir parce que ça amène un peu de confiance en soi. C'est très valorisant comme sport. On retrouve des handis qui soulèvent autant que des valides, voire plus que les valides qui peuvent les accompagner tous les jours. Quand on est sous la barre, c'est un sport explosif, donc on doit tout donner à ce moment-là. Alors des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Mais bon, ça me plaît de me faire mal depuis 27 ans.